Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Knarfang pour un nouvel épisode de Héros et Chaos. Le nain, vu que tu ouvrais grand ta bouche sur l'heure à laquelle tu t'es couché, résumé de l'épisode précédent, merci. Alors, l'épisode précédent, c'est compliqué. Yes. Nous rentrions alors dans le donjon Susdi qui se trouve juste à côté de Karakhorn dans le but de sauver un mystérieux. Non, quoi qu'il était pas si mystérieux que ça. C'était un général de l'Empire. Et du coup, nous avions à peine rentré dans ce mystérieux donjon à la requête de danger et plein d'émotions. Super incroyable. Le prochain résumé vous sera offert par Zolio. Comme ça, vous aurez l'occasion de l'entendre pour une fois. Bon, on fait comme d'hab, on s'embête pas pour les tours. C'est Sinéel qui commence et c'est Zolio qui termine. Hein? Oui. Ok, allez, c'est comme ça. Parti. Sinéel, j'ai la plus grosse. À toi de jouer. Je joue quoi? Alors, moi j'étais avec le nez en train de checker l'angle du couloir et on avait entendu un globzoul. Alors je faisais passer le message derrière moi à nos joyeux lurons compagnons. Et je faisais signe au nez d'attendre qu'il passe le couloir afin de lui mettre un grand coup de chlasse en pleine tête. Ouais, donc tu passes devant ton ami le nain? Non, moi je reste derrière et j'ai mis un coup de chlasse au-dessus de sa tête. Carabistou, je ne suis pas un homme bagarreur. Oui, je ressens ta magie, mais... ouais, c'est un tank, le nain, c'est bon, il peut rester devant. T'as une meilleure armure. Là, il peut rester devant. T'as vu Arthur à côté de lui? Ouais, je sers de porte. Ok, donc t'as rien à faire, donc suivant. Ouais, mais moi j'avais fouillé le gobelet qui est dans derrière moi. Et puis après, t'avais déjà trouvé des trucs dessus, t'avais déjà décidé de prendre ou de ne pas prendre certaines choses, comme les dents, t'avais décidé ouais, de ouais, les laisser ouais, sur place. Ouais, c'était réglé. Sauf que je tiens à préciser que moi j'ai des choses à regarder. C'est déjà marqué. Il ouais, y a un mec qui arrive, tu vois pas juste. Mais attendez les gars, regardé, je reviens. C'était des dalles de différentes couleurs. Enfin, en gros, enfin, différents patterns de motifs, si on le rappelait, pour ceux qui ne s'en rappelleraient pas. En gros, c'est des dalles qui sont différentes et qui ont plus un style nain. Et du coup, ça vaut le coup, en termes d'argent, bien sûr, de les examiner. Parce que l'argent, c'est important. Donc, tu fais quoi? C'est pas moi. D'accord. Donc, quelle est ton action? Parce que, voilà, c'est tout. Ah, ok. Juste ta vie, on s'en fout. Ah, ok, bon, d'accord. Bah, je peux pas retourner dedans? Ah, si, bien sûr. Ça va faire. Ah, ouais, si, bien sûr. Tu me lâches, quoi, en gros. Non, mais non, je le lâche pas. Ah, du mais coup... quoi, je passe tank, recule, et je passe devant toi. Ok, faut savoir. Ah, mais c'est bon, t'as l'air d'être un gros nain lâche. Non, c'est juste comme que je prends. J'ai pas encore d'armure en mitrille. Un nain qui aime la bière. Alors du coup, je me mets le bouclier collé au mur avec l'épée juste au-dessus. Et dès qu'il passe, il prend un chlasse dans la tête. Qui ça, le gobelin? Bah oui. Le nain. Je sais pas. Le nain, si je mets mon bouclier devant moi, je le vois. Super, c'est plus votre tour. Sauf que c'est le nain qui a joué, c'était pas au nain de jouer. Parce que je crois qu'il y a un joueur violet juste à côté de Sinéal. Oui, c'est moi. Bah ouais. Bah, pourquoi t'as pas pris ton non, tour mais On n'est pas sûr encore de ça. Donc c'est super, tu sautes ton tour, c'est au gobelin de jouer. Moi j'ai pas le temps, vous arrivez même pas à voir de quelle couleur vous êtes et dans quel sens vous êtes. C'est... Mais je te l'ai dit. Je te dis que c'était pas mon tour. Ouais, non, mais c'est pas grave, trop tard, t'as joué ton tour. C'est bien, c'était génial. Ah bah, bravo. Si je vois un gobelin qui est ici là, en hauteur. Non, c'est pas un gobelin. Un nain, pardon, en hauteur. C'est pas grave. Alors, Gank, du coup. Il y a un Morgrim buggé. Ah ouais. En fait, ils ont tous. Donc celui qui est là va se pencher pour regarder dans le couloir qui est ici. Ouais. Ok. Toujours en étant ultra furtif. Hein. Donc je vais demander un jet d'ultra furtivité.
Attends, alors Gank, furtivité. Gank, c'est lequel déjà? C'est quel fichier? Est-ce qu'ils sont le mec est pas prêt, le mec est pas prêt. Là, celui-là, furtivité. Il est tellement pas prêt que s'il change les noms des gobelins, il sait plus qui est qui. Non, non, commence pas à faire de la merde. Lui, il a pas furtivité. En fait, aucun de mes gobelins a furtivité, donc c'est juste. Ah bah, tu nous fais un jet de discrétion à 2D alors. C'est les dés blancs, c'est ça? Ouais, tout à fait. N'importe. Exactement. Que ça passe. C'est une critique à 2. Formidable. Et je te rappelle que tu peux utiliser ceci, hein, si tu veux, hein, au passage. Ouais, mais je sais pas, mais il y a quelqu'un qui a pensé comme bonne idée de bourrer tous mes dés dedans. Donc, ouais, non, mais je t'informe. Vous l'avez tous, sauf celui qui n'est pas doué de parole ici, qui n'a pas le droit d'avoir une box qui marche. Mais par contre, il est doué de narines, visiblement. Il a le droit de rire. Bien sûr. Très bien. Donc, j'ai du jeu quand même, parce que moi, je me permets tous les jets de dés du monde, quand même. Chut. Par contre, j'ai vraiment pas d'espace pour lancer mes dés maintenant. Hein. C'est vraiment. Bah, yes. Ok. Ouais. Intéressant. Hein. Ouais, c'est intéressant. Ouais, écoute, tu te penches dans le couloir. Et ouais. tu vois un gobelin assis devant la marche de la porte qui est en face, juste là. Alors je vais te révéler la zonas, hein, puisque tu l'as. Yes. Ah oui, pétard, c'est les miroirs qui me font bugger, je me dis pourquoi ça veut rien sélectionner. Hop. Hop. Voilà. As-tu vu le gobelin? Oui, j'ai vu le gobelin. Bon. Il est magnifique et il a une hachette. Alors, est-ce que le fait de m'être penché pour regarder m'a compté comme une action? Oui, c'est une action simple. Après, d'accord, vu que t'es hors combat, je peux te l'offrir. Ça me fait plaisir. C'est vraiment parce qu'Alastor t'a offert son tour. C'est vraiment parce que j'ai fait une réussite critique. Aussi. Bon, du coup, tu me permets de bouger, d'attaquer... Et d'attaquer. Tu me permets pas d'attaquer de là où je suis, n'est-ce pas? Je ne sais pas, bah porter. Il a un arc, Fang, non? Oui, oui, il a une arbalète. Yeah, super. Bah alors, à laquelle portée? 7. Bah il y a combien de cases entre toi et le gobelin? Je peux. Il y en a pile poil 7. Ouais, oh, bah c'est bon. Là, tu peux le tirer. Je peux attaquer de là où je suis. Ouais. Alors à savoir que t'es à une portée de 6, hein, parce qu'on compte pas la case sur cette case là, puisqu'en fait tu tires comme étant au coin du mur en fait. Donc tu comptes les 3 qui sont de. Enfin les 6 qui sont devant jusque lui. Donc t'es à 6. Tu peux tirer. Donc tir c'est. Je suis à 4 plus 2, donc 6. Donc, je garde 4 dés. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop, attaque. Il y en a un qui est sorti. Ouais, je le relance. C'est un crâne. Tu le relances, ouais. Ok. Faut que je les zoome. Parce que c'est. Ouais. Et je ne garde pas ces deux dés là. Ce qui fait que je ne touche. Je fais 1. Non, t'avais fait 2 parce qu'en fait. En fait, ton dé là, quand tu l'as fait tomber, que tu l'as relancé, ça a bousculé l'autre. Donc ça te fait deux réussites. Alors ce qui est bien, c'est que les gobelins s'esquivent super bien les flèches. Je rappelle que tu n'as pas le droit d'esquiver. Ah, mais sinon je relance. Non mais quand tu te fais tirer dessus, tu n'as pas le droit à une esquive. Donc tu me fais directement ton jet pour toucher. J'ai touché là. Ton jet pour blesser, excuse-moi. Donc c'est 5D. Contre l'armure de mon gobelin. Qui est, je vous préviens, c'est un monstre. Hein. J'ai refait les persos, maintenant c'est des fous. C'est donc des j'ai décidé à lancer en dégâts. Et ben lance tes 6D en dégâts. Hein. Putain, ça a quand même des avantages d'être riche. Hein. C'est quand même bien d'être riche. D'être riche et de voir. Ouais, vraiment. Ah le paladin, c'est dommage que ce soit un salaud de pauvre. T'avais été riche. Salaud. Celui-là est cassé, non? Attends deux secondes.
Là, je regarde la défense du gob. Yes. Lequel qui est cassé? Ah ouais, ça s'est bien Mais de toute pété, façon, dans ouais. tous les cas. Attends, non, je vais le relancer, mais dans tous les cas, j'ai relancé et je vais l'utiliser. Dessus. Je relance du coup. Ok. Mais tout ou partie du dé? Bah, moi, c'est écrit relance, hein, c'est sur l'arme. Sur l'arme? Bah c'est elfique. Ouais. Non, c'est nain. Les nains, ils ont pas de relance habituellement. Ah, bah. Relance. Ah oui. Ah bah il y a la relance dessus. Ok. Et moi, j'ai noté comme tu me l'avais mise, hein. Ah ok, bah ça marche. Tout ça, tu peux relancer là. Tout ça, tu peux relancer. Il y avait deux crânes. Hein. Il y en a quatre maintenant. Et je l'enlève ce un des un bouclier. Voilà. Ok. Donc tu fais 4 sur 5, c'est ça? Ok. Et je me retire un carreau que je vais noter. Attention, Attends, où c'est? défense du gobelin lourd incoming. Gobelin spécial en armure lourde, attention. Réussite critique, hein, t'as le mort. T'as le mort. Sérieux? Bah ouais, t'as le mort. Ah tellement je me mords là. Dommage. Dommage, dommage. Je rappelle qu'à n'importe quel moment, surtout à l'arc, tu peux prendre des pénalités pour toucher, puisque les gens peuvent pas esquiver, entre autres. Tu peux prendre de grosses pénalités, par exemple, pour dire que tu vises une tête, par exemple. Une partie sans armure, par Oh exemple. non. Non Ce non. genre de choses. Donc qui donnent des dégâts supplémentaires quand tu touches, quoi. Enfin, quand tu blesses. Genre de truc. Donc, je fais une réussite critique, t'avais fait 4 crânes, je lui enlève 2 PV. C'est ça l'histoire? La blague? Tu Je l'as crois que pas c'est ça tué? là. Non, je ne l'ai pas tué. S'il a fait une réussite critique, c'est pas plus un dégât. Non, c'est Il est... le. Alors si tu suis pas comme d'habitude, juste tu coupes ton micro et tu te tais à tout jamais. C'est bleu. C'est le Bon, gobelin qui a d'accord. fait une réussite critique en défense. À un dé. Non, 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 mais Encore un je te parlais chasseur en qui dé bat le pour loup. toucher. Non, 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 pour non, j'ai fait toucher. une réussite critique pour regarder. Ah bah Pour d'accord. regarder. Et bah tu l'as touché mais tu l'as pas tué. Que font-ils? Donc maintenant j'ai le droit de bouger pour reculer. Tu as le droit de retirer si tu le souhaites. Ah, je partirai aussi. Ouais, c'est comme The Ah Rendezvous, non? bah vas-y. C'est deux actions. Vas-y, Point, t'en fais vas-y, ce que tu veux de retire tes deux dans actions. le coin. L'arbalète, c'est une action lente, non? Ah, Ouais, c'est pour recharger, je ouais. sais pas, t'as la balette lourde ou quoi, t'as quoi? Non, c'est l'arbalète normale. Men. Lente, à la lente, ouais, nécessite une Ouais. action simple pour Ah. rechargement. Bah je la recharge. Et bah tu la recharges. Clic-clac. L'affaire est dans le sac. Gobelin suivant, parce que bon, des gobelins, t'en as 36, hein. Ouais, je suis là. Ouais, Je vais le faire bouger, donc ski je going too suppose que je fast. lance. Ouais, donc je suppose que je lance 2 dés de mouvement. Non, 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 ton mouvement, il est, je te rappelle, calculé de base dans le jeu. Ah, il est défini de base. Ouais, Non. 4 plus Donc de athlétisme, 6. plus course, si tu cours. Si tu fais l'action complexe de courir. Voilà. Donc c'est lui. Mouvement, il est normal. Mes gobelins ne tiennent pas sur la même case, hein. Ils sont. Eh ben ils sont là où tu les as placés, hein, petit bonhomme. Yes. Bah, du coup, lui s'avance derrière l'autre. Yes. Et lui continue de superviser à la porte. Très bien. En rappelant bien que tout ce qui n'est pas nain appartient aux gobelins. Et ça rime en plus. Je suis Très pas bien. d'accord. Joueur suivant. Bah, je peux me déplacer de 5 cases, donc je vais me mettre au couloir ici. Très bien. Et puis bah, je peux guetter dans le couloir, à Ouais, droite. complètement. Vas-y, tu peux me faire ton jet à discrétion. Discrétion pour être le plus furtif possible. Sauf si Du tu coup, j'ai souhaites pas être 12. furtif et en avoir rien à faire, hein, bien sûr. C'est des défenses, on est d'accord? Oui, tout à fait.
Ok, J'ai très bien, rien. t'as une réussite. Bah écoute, tu te penches, tu regardes et voilà ce que tu vois. Alors oui, d'ailleurs, je vais te le donner tout de suite de l'autre côté parce que tu le vois également. Tu vois ça également de l'autre côté. Des éboulements. Bah voilà, Éboulés ou j'arrête, murs, fini. peu importe. Voilà, ton information. Quand t'entends éboulement, t'entends c'est bouché. Exactement. C'est solidement encombré. Ok, bah je communique juste. Bah ils sont déjà au courant, les autres dans le donjon, je dois le dire. Ah, je dois le En dire. soi, oui, tu dois leur dire. Ok, bah par ici c'est bouché, on peut pas passer. Puis voilà, je finis mon tour. J'attends un gobelet, taisez-vous. Très bien. C'est donc Signal. Alors non, Signal depuis le début. Enfin, excuse-moi, tu t'appelles pas Signal, tu t'appelles Tian de Brightblade. Tu n'entends pas un gobelin, t'en entends quatre, puisqu'il y en a trois derrière toi en fait. Mais celui-là, il est prêt. Est un peu plus gros. Il pue. Ouais, bah comme tous les gobelins. Ah bah alors c'est un nain. Il est plus gros et il pue. Fais ma toilette tous les matins, s'il vous Ah non, plaît, c'est pas toi, laissez-moi excuse-moi, tranquille. Signal. Bah tant pis. Fallait agir plus vite. Allez. Going too fast. Hop là. Bonjour. C'était OMJ de bouger. Yes. Alors, 4 attaques de 28 G8. C'est parti. Putain, mais en fait, c'est pas un gobelin, c'est un ours de pierre. 28. C'est un ogre. 28. En fait, c'est un géant. Paf. Tac. Quatre attaques, les gobos. Réussite critique à 3. Un gobelin peut tenter un jet d'esquive. Ah, j'ai l'esquive. Mmh. Oh fuck. Try again. Donc c'est deux. C'est en défense, c'est ça? Non, c'est en esquive. Non mais les dés que tu lances. Oui, c'est des défenses toujours. Bonsoir, ce dé est cassé. Toujours le relancer, sinon je te compte une def. Moi, je le relançais parce qu'il était cassé. Bon, Non, ça te fait une def c'est quand faux. même. Ah bon? Finalement. Par magouillage, ça te fait une Tu comptes def. le faire? Non, ça te fait Ah zéro. mais tu... Ça te fait zéro. Nul. Nul zéro. Donc maintenant, le jet pour blesser de notre ami le gobelin. Alors, c'est celui qui est à la hachette. Qu'est-ce que j'aime les gobelins, c'est fort intéressant. C'est bleu. Ouais, bah c'était bien. Bah je te fais quand même vas-y, tu peux défendre, hein. J'ai Faut quand même faire le pourpoint de cuir. Bah je sais pas, t'as quoi toi, c'est Si écrit. j'en ai un, mais ça rajoute un dé de défense, c'est ça? Ouais, c'est ça, bah t'as un dé. En défense, puis c'est tout. Ouais, mais tu connais que tu sais que les gobelins c'est royal dans le jeu, genre ça défend, tu vois. C'est une réussite critique à 1, tu prends quand même 2 dégâts. Pardon? Tu prends un dégât quand même. Excuse-moi, tu prends un dégât. Quoi qu'attends. Attends, il fait une réussite critique. Ah oui, mais c'est pour toucher. Ensuite, il te fait que 1 pour blesser. 1 plus son critique, ça fait 2. Et de 1, de 2, non, c'est annulé. Ok, ton pourpoint de cuir arrête tout. Il était assez doré. Il était blindé. T'es Putain. blindé. C'est Quoi? les gobelins, en fait, ils l'ont Quoi? alourdi au téflon, on se crête derrière. Entre les couches de cuir, il y a du téflon. Le mec, il est tout seul. Blanc. Ça, T'entends c'était un blanc pour pour ce cuir, ça me dessus. gobelin-là. Et ça va être bien. C'est ce que j'autre n'ai encore rien vu. Quoique. Allez. Allez. Lui, il va bouger. Lui, il va bouger. Il va contourner Écaille, il l'adversaire. arrive.
Et là, d'un seul coup, je le chlasse. Voilà, il te voit là. Il s'arrête ici. Et c'est à toi. Ouais, je lui mets un grand coup de chlasse dans la tête, non, dans le ventre, dans le corps. Alors, ouais. Tu vois qu'il s'est arrêté à distance, ce qui fait que tu vas être obligé de t'avancer d'une case pour le frapper. En fait, il s'est arrêté à « il t'a vu », mais il peut pas te toucher, puisqu'il faut être face-face pour se toucher. D'accord. C'est pas votre cas. Tu vois, comme il avance face-face. D'une case. Ah bien, super. Donc, Sinéal, tu avances d'une case. Je te remercie de ta... J'apprécie voilà. En fait ta volonté de vouloir faire fonctionner les mécaniques du jeu. C'est très appréciable. Et c'est je très le classe. Très bien. Ah, il y a un piège sous le tapis. Deux petites secondes. Yes. J'avance pas d'une case. En fait, sous le tapis, il y avait des pics et du coup, tu meurs. C'est exactement yes. Cela. Et je l'ai pas noté, donc c'est du piège classique. Ok, donc vu que c'est du piège classique, monsieur, je crois que c'est noté là-dessus. Hein. Paf. T'as pas un putain de voleur qui est censé contrer ça, connard. Depuis le début, la fourrure, elle était humide. Et donc t'attrapes un rhume. Merde, je vais aller... Yes, tu me fais un... Il me fait un jet d'acrobatie. Acrobatie. Ouais, je crois que c'est ça, hein, si je dis pas de conneries. Ah ouais, ça va être deux, quoi. Alors attends, je retire. Non, c'est non, bon, en vrai, mais... attends, en vrai, je fais une malheur, une bêtise. C'est moi dans Ouais, c'est ça, c'est acrobatie, c'est en agilité. Ouais, c'est ça. Faut que tu fasses ça. C'est à moi de désamorcer les pièges, normalement. C'est un échec. Hein. C'est un échec. Tu tombes au fond du trouillou. Je sais plus ce que j'avais décidé que c'était comme trouillou, je crois que c'était un trouillou de base, ouais, j'avais pas été trop dur, c'est un trouillou de base. Voilà. Et il te faudra donc une action. Attends, je vais le supprimer. Bon bref, supprime, parce que je trouve plus rien le matin. Il te faudra une action complexe pour pouvoir remonter. Sinon il faudra faire une action simple si tu veux remonter. Enfin un test d'agilité escalade. Athlétisme ouais. Escalade. Pour remonter tout de suite, maintenant, immédiatement, rapidement. Ouais, mais si il remonte, j'ai plus. Attends, mais il a quoi comme arme? Tu sais pas, t'as pas eu le temps de voir. Non, je déconne. Il a une épée. Non, il s'arrête. Il a une épée et le trou, il fait quelle profondeur? Bien 3 mètres. D'accord, bah c'est bon, mais je reste en bas avec mon bouclier vers le haut, voilà. Ok. Les gars, il y a un ah problème. Ah oui, il pourra pas te frapper, ouais, clairement. Par contre, vu que tu es tombé, je vais me faire plaisir quand même, tu perds un point de vie. Rire sataniste. Un sourire de MJ. Il est de défense sur un trou. Le gobelin te regarde et met un petit coup de dague sur une pierre. Et t'entends un vieux mécanisme qui fait clonk, clonk, clonk. Et dans son temps, t'entends des gargouilles. Et tu vois l'eau qui commence à monter à partir de tes pieds. Je croyais que c'était un trou. C'est un score. Il faut rester discret, on n'est pas repéré. Ils ne m'ont pas vu. Voilà, et c'était plus à toi de jouer. Joueur suivant. C'est à moi. N'oubliez pas que je vous ai gueulé de venir m'aider. Ok, ok. Ta gueule, ok. Ta gueulé, du coup, est-ce que je l'entends? Oui. Moi, bah, j'ai entendu ta gueule. Ok. Le donjon entier l'a entendu. Ah, bah bravo. C'est pas là-dedans. Et même, là-dedans. Du coup, la... Albinus, le haut-pêtre paladin, l'a entendu et me secourt d'une main magique. Malheureusement, non. T'as pas assez gueulé. Du coup, j'arrive... Attends, il est où, pardon. Je suis un paladin, quand je gueule, tout le monde m'entend. Hop. Du coup, j'arrive dans la alors, direction... Tu te remets où t'étais déjà? Déjà, oui. Parce que maintenant on est en phase de combat, donc tu regardes de combien t'as le droit de te déplacer. J'ai le droit de me déplacer de 6. Et ben donc tu te déplaces de 6 cases. De 6 cases, j'ai dit, hein, pas de 25 cases. Hein. T'étais ici là? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. J'ai calculé. Ok. Super. Donc t'arrives là, tu vois un gobelin, tu vois un crétin au fond d'un trou. Très bien. Les bonnes bases. Est-ce que je suis.
Est-ce que je suis menacé par rapport au gobelin si j'aide Est-ce qu'il peut m'attraper si je l'aide de mon côté le gobelin? Ouais, mais ce serait sportif quand même de sa part. Parce qu'il y a de petites pattes, faut pas l'oublier. Ouais, ce serait très sportif de sa part. Alors du coup, je propose à Sian. Sian. Ouais. Sian ou Sian? On s'en fout. Sian. Sian. On l'appelle Bleuzaï. Sian, t'as besoin d'un coup de main? Je lui tends la main et... J'ai peut-être besoin d'un peu d'aide, oui. C'est bon, t'as gueulé, on peut parler normal. Il ne m'a pas vu, je crois. C'est parfait, c'est au tour du joueur bleu. Et du coup, t'as pas... Je suis le joueur bleu. Mmh. Bon, du coup, je quitte ce que je fais. T'as entendu quelqu'un hurler, hein. Ouais. Ouais. Je me dis, attends, mais c'est quelqu'un qui hurle, moi je vais continuer à prospecter. Non, je plaisante. Allez, 1, 2. Est-ce que je passe devant Vank? Oui, tu peux. 3, 4. Et après. Va pas dans le trou, hein. Va pas dans le trouillou, non. Je... Alors, tourne dans le bon sens. Est-ce que j'ai un point de vue pour lancer mon achète? Oui, tout à fait. Directement dans le dos du voleur. C'est ce que je... J'aime pas les voleurs. Ça me rappelle. Non. Il y a combien de portées sur ta hachette? C'est tout? Je crois 4. Attends, je vais te dire ça. Je vais pas me poser la question est-ce que t'as la portée, c'est voir si tu l'as. Ah non, merde, c'est portée 2. Tu peux la jeter dans l'angle du mur en rond pour que ça rebondisse en bas, pour que ça rebondisse sur le gobelin. Donc ouais, c'est vrai, hein. Ouais, je ne pourrais pas. Après, ça dépend de quel gobelin on parle. Ouais, je pensais, Fank, là, il m'énerve un peu, là, avec son petit boule de gobelin. Qui a surchaté. Ah, tu vois, avec son petit pile, là. Donc oh, du coup... Okay, je regarde derrière moi, fin je fais une tour. Action. Merci. Allez. Joueur vert. Merci. Joueur vert, c'est moi, ça. Allez, let's go. Du coup, j'ai rechargé mon arbalète ici. Oui. Oui. Je tire à bout portant sur Michel. Ok. Tu vises quelque chose? Je ne vise pas, parce que je suis un gobelin. Très bien. Je tire sur le truc en face de moi. Tu le touches. Ah, c'est des jets pour blesser. Ok. Ah, quoique, non, tu vas me faire un jet de touche parce que de très près, ouais, bah, j'ai une chance d'esquiver, je dirais. Ça critique, je touche. Ok, bon bah ça touche, hein, parce que l'esquive des gobelins c'est pas ça. Très bien. Et hop, du coup je fais mes dégâts. Qui n'a lancé que 3D parce que YOLO. Voilà, attends, on va rester arrivé. Cassé. Ouais, je relance le cassé, tu permets. Tac. Je fais 3 dégâts. Crânes. Ok. 3 crânes, donc plus 1, puisque tu avais fait un critique pour toucher. Oui. Défense du gobelin. Non, on s'en fout, il est mort. dire que même si je défends, il est mort. Tu peux le prendre. Ok. Alors, je sais pas si tu vois la porte qui est devant Fang. Ici? Ouais. Je ne vois pas de porte. On ne voit pas de porte. Ok. Non, alors je vais juste l'avancer pour te la montrer. Hein. il faut juste que je la déloque un petit instant. Voilà, c'est une porte comme ça. Hein. Ok. Oh. Elle est pas très commune. Oh. Oh. Je la vois pas du coup. Il y a que Gang qui la voit. Pas grave, tant qu'il l'a vue, on s'en fiche. Il y avait une porte ici aussi derrière le gobelin. Ah d'accord, ok, elle est là. Okay. D'accord, ok. Elle est là. J'avais pas vraiment tilté. Okay. Juste à droite. Vous savez, à cause des cubes, tout ça c'est compliqué. Ok, ok. Hop. Du coup, Gang va avancer jusqu'à ce coin-là. Tu me considères encore en combat avec eux ou pas?
Oui, tu es obligé d'être en déplacement de combat. Tant qu'un combat d'actif, vous êtes en déplacement de combat. Donc là, donc il a fait 3. Et c'était son action. Ok. Et avec Franck, du coup, qui est là, je vais avancer jusqu'à là, donc 2, et regarder dans la serrure de la porte. Voir ce qu'il y a, s'il y en a une. Ok. Alors, tu peux La porte. voir tout droit dans cette pièce. Oui, donc Il par y là. a une case vide. Non, 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 la porte elle est Attends. là. La porte elle est là. Ok, donc dans ce cas-là, je me mets en face de la porte, Ouais. parce que je vais me mettre à la Ok. porte. Pardon. Déjà, c'est carrelé, c'est en damier, noir et blanc. Il y a pendant 1 mètre, il n'y a rien. Ensuite, il n'y a rien. Ensuite, il y a un trône. Un Ensuite, il n'y a rien. trône. Et enfin, il y a un mur. Est-ce qu'il est beau le mur? D'accord. Est-ce qu'il est nain le mur? Je Bonne question, ceci. Je vais lancer un dé pour savoir. Bon, me dire que oui, le mur est putain de nain. Mais ça veut dire que si le mur est nain, il n'y a que nous qui pourrons rentrer dans la pièce, hein. Parce qu'on a la taille pour. C'est nain, tout est nain, la porte est naine, tout est nain. Magnifique. Et en parfait état. Oh. Attends, qui peut mettre un coup de pied dans la porte pour l'enfoncer. Mais faut que je change mes bas. ça c'est d'après une expertise gobeline. Ah, ok. Ah. Donc ça veut dire que c'est gobelin à 95%. Veut dire que c'est bientôt gobelin. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est nain, ça vaut de l'argent, donc c'est gobelin. Donc ils te diront non, c'est gobelin. Non, ça vaut rien. On prend tout. C'est à nous. C'est au joueur rouge. Bah moi, comme j'ai entendu crier, bah je cours venir voir ce qui se passe. Donc je vais me déplacer de 7. Je peux passer par-dessus lui, venir Oui, ici. tu peux, vous pouvez vous bien passer sûr, tu par-dessus, il peux n'y a me pas passer d'enjeu. dessus. Du coup, je vais ici, Oula. puis je. Oups. Faites un don Oh, au temple, ça moins va un être plus PV. loin. Hein. Faites un don au temple. Et là, je demande au voleur s'il a besoin d'aide pour relever le paladin. J'accepte. Je dis, viens m'aider. Ok. Moi aussi, j'accepte. J'accepte les dons, Paladin et aidez-moi. créateur, accepte votre aide. C'est non, créateur. On accepte les dons au temple. Formidable, Non pour les incroyable. Et vous palader. savez quoi? Ça fait un épisode superbement commercial de 32 minutes. Oh, des bisous YouTube. Oh, des Oh. bisous. Oh.